Puis sur jeu étendu, et voilà, bonjour! Ça commence vachement bien, dis donc. Voilà, là on est sur le bon écran. Le manette fonctionne très très bien. Avant de commencer, on va voir où j'en suis dans mes bêtises. Ah! Je ressuscite avec un peu plus de vie, c'est ça que j'avais acheté la dernière fois. Il me manque, lors de l'échange, créer un bouclier de PV pendant une seconde. Si le bouclier de PV tient le choc, le rechargement de l'échange est réduit de une seconde. Ok. Et après, il me manquera permis de détruire des parchemins pour obtenir de l'or en fonction de leur grade. Ok, mais c'est pas des parchemins, c'est. J'ai l'impression n'importe quel item. Bon. Là, 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 là. Ok. On est bon. Je pense que. On s'arracle un peu la gorge. Un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau, vu qu'on va raconter beaucoup de conneries comme d'habitude. C'est si rafraîchissant. Ok. À la une, à la deux, à la trois. Salut tout le monde, ici Yakipon pour Ivasan Studio, la petite association toulousaine. Vous avez la petite commande dans le chat pour en apprendre un peu plus. De retour sur Skull, comme vous voulez, le héros Slayer. On avance, petit à petit, sur Skull, on avance. Pas autant que j'aimerais, c'est vrai, mais le jeu est difficile, je sais même pas si je vais arriver à le finir un jour, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que j'aime bien les jeux comme ça, mais au final, je découvre petit à petit que je suis pas très bon dessus. Bon, on est reparti. On va prendre les playlists pour changer un peu. On va essayer de changer un peu les saveurs comme la dernière fois, hein. On va essayer de. C'est quoi ces objets? Il m'en faut de la magie. On verra. Augmente temporairement l'attaque physique. Ok, très bien, au revoir. Allez! On est reparti. Pour fracasser de l'arbre. Ça, l'arbre, hein, on commence à avoir l'habitude, hein. Mon dieu. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, check. Check, check. Check, check. Oui, c'est le retour du chic-chic, hein, vous le connaissez à force, hein. Dès qu'on a un truc qui peut taper rapidement ou qui tapote les gens, hein, ça devient chic-chic. Et on commence par des items pas oufissimes, mais bon, j'ai envie de dire, je commence à avoir l'habitude. Et de toute façon, c'est bête à dire, mais il va falloir commencer à s'intéresser au marché de quartz noir pour essayer d'avoir des objets peut-être meilleurs. J'aurais aimé augmenter mes stats. Je vais pas dire de suite, mais assez rapidement. Sachant que le coût de 6000, c'est qu'il faut aller très loin dans le jeu. Aïe aïe, j'aurais peut-être dû faire un peu de off pour farmer le quartz noir, cela dit. Au moins pour les stats. C'est une idée. Peut-être que je le ferai, je vous dirai en gros, sans dépasser là où je vais. Tant pis, hein, si je meurs, c'est pas grave, mais je pense qu'il faudrait peut-être que je commence à m'entraîner en off sur le jeu pour essayer de produire du contenu de meilleure qualité. Parce que certes, c'est de la bonne qualité, mais de revoir faire l'arbre 40 millions de fois, je comprends que ça puisse vous énerver. Moi aussi, cela dit. Refaire l'arbre, j'aurais bien aimé un petit raccourci. Une épreuve, au pire. Une épreuve pour voir si je suis capable de passer ce niveau. Bon. C'est pas grave, hein. C'est des idées comme ça. Après, je comprends, hein. Le type de jeu est comme ça. Bon, comment on va sinon? Comment on va, comment on va? Pour ma part, eh bien, enfin, les vacances, on va dire entre guillemets, d'Halloween sont passées. Et ça me fait du bien. Parce que je risque d'avoir un peu plus de liberté. C'est d'ailleurs pour ça que malheureusement, je n'étais pas dispo la semaine dernière.
c'est que le travail faisait que je ne pouvais pas. C'est pas très grave. Ça. Au moins, je suis content aujourd'hui de reprendre le petit Skull. Le petit Skull, comme vous voulez, encore une fois. Allez, allez. Ok, c'est bon. Et on s'enfuit. Merci, Jean-Véramo D. Le fameux méchant. Alors, soit des os, soit la surcharge, c'est pas génial. Soit lorsque je suis touché, j'explose et j'inflige des dégâts physiques. Bon, on va prendre les os. Sachant que là, je vais pouvoir le passer niveau 2. C'est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Oui, j'ai pris ma décision. Tweak. Voilà. Alors. C'est pareil, hein. C'est pareil, je ne vois pas trop d'amélioration. On va essayer de prendre des os, encore une fois. Ce serait très 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 bien que j'arrive à... Oula, il y a eu du pet là. Ça serait très très bien que j'arrive à le passer niveau 3, encore une fois, après l'arbre. Bon, c'est pas évident. Faut avoir de la chance sur les os qu'on chope. Par exemple, si je chope le légendaire... mince. Du rocker, ça va me faire pas mal de choses. Ah, des messages, pardon. C'est le problème du jeu, pas le tien, quand on va refaire les mêmes choses. Oui, oui, c'est vrai. Moi, après, c'est vrai que je l'ai choisi comme ça, le jeu. Je l'aime beaucoup, hein, je le répète, c'est pas un reproche. Après, c'est vrai que... Bon, moi, j'aurais bien aimé des raccourcis de zone. Parce que refaire 40 fois l'arbre, bon, à force, ça va. Si j'arrive à perdre sur l'arbre maintenant, c'est qu'il y a vraiment un souci. Après, le jeu est comme ça, encore une fois, c'est pas grave, hein, je le concède. Mais j'aurais apprécié un petit raccourci, un truc. Et coucou, by the way. Coucou. C'est vrai que, ouais, j'aurais préféré un petit raccourci. De quoi rendre, on va dire, de ce côté-là, le stream un petit peu plus intéressant. Je comprends que, bon, bah, l'arbre... C'est un peu la balade. Mais après, d'un côté, ça peut me permettre de discuter avec vous, si vous en avez envie, y a pas de problème. Même sans ça, c'est juste que sur la zone avec les monstres... enfin, les monstres... Les personnages de lumière, et puis le dernier boss qu'on a tenté de faire la dernière fois, là, le... J'ai peur de dire une bêtise, le prêtre, ou je ne sais plus quoi. Là, oui, j'avoue, je suis un peu plus tendu. Surtout si on me met des salles avec des portes. Ceux qui étaient là, pardon, il y a deux semaines savent très bien de quoi je parle. Les salles avec les portes, il me tarde pas de les refaire. Un esprit ? Ah non, pas du tout. C'est pas mal ça, oui. Et c'est quoi ça ? Le Yeti. La boule de neige est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quand la concentration commence. Mais j'ai pas de truc à concentration, c'est un peu dommage. Je vais pas acheter des objets qui peuvent, au final, remplir ma pool d'objets et pas forcément me convenir. Sachant que pour l'instant, soyons honnêtes, j'ai jamais trop joué avec un crâne qui demande de la concentration et donc des attaques comme ceci. Ok, c'est bon. Oh non, j'ai pris la boule de feu. C'est pas très grave, il y a de la vie partout. Pouette, la tablette, oui, les dégâts. Dégâts magiques et physiques. Et ça, par contre, d'être touché de congeler les gens, ça va être pratique. En plus, j'ai de la vie. On a vécu pire comme départ, c'est vrai. Les dégâts, bon, pour ce stade, à ce stade du jeu, sont corrects. Hein. On verra si je mets du temps à tuer l'arbre. Et surtout, on verra quand je débloquerai ma deuxième compétence. C'est ça qui commence à me... Bon, j'ai pas eu de crâne entre, c'est dommage. Il m'en manque 20 pour passer au niveau 3. Et j'ai pas trouvé de crâne, on va dire, plus qu'utile, pour l'instant. Allez, l'arbre, je sais à quoi tu ressembles. L'arbre encore, ça va, enfin, j'en ai un petit peu ma claque. C'est vrai que les jumelles dans le château, bon... pardon, j'ai... je me suis viandé. check. C'est fou, il y a certains personnages, l'attaque aérienne est meilleure que l'attaque du sol. C'est un peu dommage. Regarde, là je fais beaucoup plus de dégâts que si je fais un combo 3. Hein.
1, 2, 3. Oh, c'est largement... pardon. Largement plus rapide et plus efficace. Allez, on élague le petit arbre encore une fois. J'avais oublié le retour. Bon, ça se voit que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, d'accord. J'aurais dû m'entraîner. J'aurais dû m'entraîner un soir, tranquille, là. Bon, c'est pas grave. la boîte. C'est quoi déjà la boîte, j'ai oublié. Lors d'un échange. Ah oui. C'est pas très bon. Non, j'aime pas. Mais ça m'a fait pas mal d'or pour le prochain magasin. En espérant acheter des objets plus qu'utiles. Bon là par contre je risque de couiner un peu plus par rapport à... par rapport aux dégâts que je fais. Après hein, les gens me diront bah, sois méga au jeu vidéo. Et à ceci je réponds, ça fait des années que je demande du skill à Noël et que j'en ai toujours pas reçu. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, d'accord. Oh le génie. Bon, on a fait une partie génie Jafar la dernière fois. C'était pas mauvais, même si bah, il me manquait cruellement deux dégâts, hein, c'est pour le dire. C'est le truc qui m'a manqué. Mais c'était très bien, au final. Je pense qu'avec un beau stuff, le génie, bon, tu vas me dire n'importe quel... Je prends trop de dégâts. N'importe quel crâne peut faire l'affaire. Mais pourquoi je prends des dégâts, je comprends pas. Je les arrête pourtant quand je les frappe. Non ? Ah bah de la vie. Toi t'es mon pote toi. Je t'aime bien. La cage en acier forgé, comme les portes. Allez Alpheline, donne-moi de la vie. Avec un petit rosier, merci. Le rosier de l'amour sûrement. L'arbre sympa. Hein, on rejouera arbre, surtout pour le passer au niveau 4. Je sais pas si... Non, de souvenir, je l'ai pas fait. Passer au niveau 4. Arrête de lancer tes assiettes. Et arrêtez de courir. On ne court pas au port de la piscine. Il n'y a pas de piscine. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Ces vilaines lanceuses d'assiettes. J'ai l'impression que rien ne les arrête par contre. Celles qui me dashent dessus. Ah, punaise. Je l'ai pas vu armer son balai. Vilaine. Ouf. Bon ben. D'un côté, j'étais limite content d'avoir pris un dégât. Ça m'a permis de tous les congeler et de pouvoir les tuer derrière. Comment ça me manquait de la vie. Donnez-moi des crânes utiles. Bon, on prend ça. L'échange, non. La vitesse d'attaque dès que je tue augmente les dégâts des projectiles. S'il n'y a pas d'ennemis autour de moi, c'est dommage. C'est pas très bon. Kilivan. Je crois que je l'avais déjà pris. Oui, c'est l'épée que tu lances et tu peux te téléporter dessus, je crois, si tu touches un ennemi. C'est pas mauvais. Il y a mieux, mais c'est pas mauvais. On va dire que ça peut me faire des dégâts en plus, pour le moment. Oui, c'est ça, c'est si je touche, ça fait tchouk autour de moi. Non, c'est pas mauvais, mais il y a mieux, c'est sûr. Je pense à vous, mes corbeaux. Hello, les corbeaux, hello. Mais j'arrive pas à le toucher. Oh, je savais que j'allais prendre des dégâts. J'étais mauvais, le mauvais. Check, check. Oui, c'est ça, c'est je me téléporte sur les ennemis, je crois. Avec l'épée de Kilivan. C'est pas mauvais, vraiment. On a vu un peu mieux. Nice. Ah, punaise. J'en ai marre de tes assiettes. Et j'en ai marre de toi, Archer.
And you. Je vous déteste tous. Le mini-boss, ça risque d'être un peu chaud. J'ai toujours pas trop de dégâts, bon. Je me suis trompé. Non, elle va le faire. Ah, punaise. Bon, c'est pas la pire à esquiver d'attaque, mais... Voilà. Et non, voilà. Lui, le pauvre, il est pas très difficile à attaper. Faut juste que je regarde ce qu'il fait. Voilà. Allez. Non. Je pensais qu'il l'avait pas fait. Check. Check. Ok, c'est bon. Je me suis un peu fait du souci pour rien. Hydre, c'est pas fou. Oui, on va prendre des PV. J'ai que ça à faire. Hein. C'est dommage. Il me manque 4 os. Ah, j'aurais pu le prendre. J'ai merdouillé. Bon, c'est pas grave. On va voir si les filles se passent bien. Bon, là, ça devient déjà un peu pénible, j'ai l'impression. Check! Ça dépend, je pense. Ouf. Mais oh, je l'ai pas vu attaquer. Complètement ma faute. Je ne l'ai pas vu faire. Désolé, oui, désolé. Il me faut des os et des dégâts. Mes dégâts, j'en ai pas non plus. Oui. J'ai pas de dégâts. C'est qui ? De ne pas avoir de dégâts. C'est compliqué. Bon, pour l'instant, je me fais pas trop toucher, donc tant mieux, mais. Je suis comme une puce. Je saute partout. Et check. Aïe. J'ai pas lancé l'épée du bon côté. Je me fatigue. Alors, on a droit à la gargouille que je n'avais pas beaucoup aimé. Là aussi, c'est un personnage vraiment qui... Ah, super. Ça aussi, mais qui a envie d'acheter ça? Qui? C'est pas fou. Ça te prend un objet, c'est pas bon, c'est... La boîte aussi, c'est nul. Ah, ben enfin, un truc sympa. Ça aussi, pourquoi j'ai acheté le taureau crétois au final? C'est pas bon, j'aime pas. Oh. Et ça me prend de la place pour rien. Y a un truc qui les protège. Il est où? Là-bas. Ok, j'ai rien fait. Mais il est où? Il s'est téléporté, oh là. Mince. Bon, ok, là c'était un. Oui, bon. Pousse! J'ai dit pousse! Aidez-moi. Swoosh. Toi, tu me fatigues, toi. Voilà, tiens, prends les pics. Et non. Et non. Check. Mais c'est toujours pas fini. Il y a des points de vie. Il y a des points de vie. Check. Oh! Il m'a fait swoosh. Ah, bien. Ah ah! Je t'ai prévu, toi. Au revoir. Ouais, j'ai pas les yeux partout, malheureusement. Je me suis dit, bon, allez, on va taper l'archer pour éviter qu'il me rentre dans l'art, et au final... C'est le grand qui m'a dit non.
Mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas une impression. Oh là là, mais c'est dingue. Heureusement que j'ai plein de points de vie. Ouais. Ok. On a droit à... au crâne d'eau. Faudrait que j'y relève... que je... Oui ? Voilà, on fera ça. Faudra que je lui redonne une chance au crâne d'eau. Je pense. Je pense qu'il peut être bien, mais... il faudrait le retester, quoi. Toi, t'es vraiment vilain, hein. C'est pire que le vilain chat, c'est horrible. La pommade explosive, on va enlever ça parce que ça me sert à rien, voilà. Allez, le marché! Ah non, pas du tout. Bon. J'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop, c'est la première game, il faut que je me remette dans le truc, bon. Voilà, soyons honnêtes, je n'y crois pas, au sœur Leyana. On va voir, mais j'y crois pas. Je vais essayer de me concentrer minimum. Oh mince! Mais... on va essayer de... d'y arriver. Mince. Je ne l'ai pas... oh, je l'ai pas vu se baisser. Deux fois même. Ça serait bien de pas la tuer et d'affaiblir l'autre, cela dit. Mince. Je sais plus laquelle est laquelle. Ok. Ouais, c'est elle qu'il faudrait affaiblir là. Allez, faut l'affaiblir le plus possible, sans mourir. Bon. Non, j'ai pas réussi à l'abattre. Oula. Je prends trop de dégâts, c'est insupportable. J'arrive pas à la toucher. Mais arrête de spammer, vilaine. Tiens. Non, mais c'est pas... oh. Tiens. Et j'ai 60... je ne sais pas parler. J'ai tata de vie, voilà. Eh bien, comment on se vient, là. Fallait sauter deux fois, j'ai oublié. J'oublie toujours qu'il faut sauter deux fois parce que sinon elle est trop haute. Check, check, check. Check, 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 check. Tiens. Et là, c'est l'enfer. J'ai trouvé un endroit. Pour une fois. Arrête de m'embêter. Allez, mais meurs, s'il te plaît. Merci. Bon. On a réussi. C'était pas gagné, mais...
On a réussi. Au moins celui-là, au moins. Ça, c'est, je me sens un peu... Hola, ombre, esprit des ténèbres. On m'a toujours dit que les esprits étaient bien. Et cela dit, je suis d'accord. Les esprits sont loin d'être mauvais. Donc c'est parti. On va essayer de refaire le truc des esprits. Du moins, on va essayer de se stuffer comme il faut pour faire des dégâts physiques. Vu que là, je suis parti pour garder l'épéiste. Et en plus, je l'ai niveau 3. Maintenant, j'en souche. Oh là. Qu'est-ce que c'est que mon RT? Bon, j'ai appuyé dessus, mais... On va lire, hein, vu que ça n'a pas... C'est le tétanos! L'attaque est empoisonnée et inflige 5 points de dégâts purs supplémentaires pendant 15 secondes. C'est loin d'être mauvais! C'est loin d'être mauvais. Bon, écoute, hein, on continue là-dessus. Et en plus, c'est des dégâts purs. Et les dégâts purs, c'est chouette. Aïe, 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 aïe. Oh là. Donc, d'un coup, j'ai des dégâts. Par contre, j'ai pas de... Oh, j'avais oublié qu'ils explosaient. Tac, 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 tac. J'avais complètement oublié qu'ils explosaient. D'un coup, les dégâts, pourquoi pas. On va essayer de le monter niveau 4. Hein. Regarde. Au revoir, au revoir, au revoir. Allez, explosez entre vous là. Et fichez-moi la paix. Je vous remercie. Je sais pas ce qui m'a explosé dessus avec l'arbre encore, mais je crois qu'il y a une attaque de l'arbre que je ne comprends pas encore. Non, non, mais non, 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 mais non! Non! Oh là 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 là, coup dur. Alors, tu vas me dire, je l'ai bien éclaté. Ouais, je l'ai vachement bien éclaté, cela dit. Tant mieux. Oh! C'est le berserker. Non merci. Donne-moi des os. Ah, de la vie, déjà. Le prédateur, c'est non. Les dégâts par derrière, c'est non. L'attaque magique de 7%, c'est non. Ça m'embête, on va réappri. Oui, on va faire ça. Les attaques critiques. Oh. Ah! Crâne de vitesse. Mais j'ai pas un crâne de vitesse, j'ai un équilibre. Diminue les dégâts reçus. Un écran. Oui, non, je crois que parler aujourd'hui, c'est vraiment pas ça, quoi. Lors d'un échange, j'étourdis les ennemis. Ceinture de guerrier. Augmente l'attaque physique pour chaque ennemi proche. Ça peut être bien. Augmente les. Ouais, peut-être ça, mais à la place de quoi? Oui, à la place de la pommade. Et il faut qu'on retrouve un peu d'argent. Un peu d'argent, des bons items. Par contre, je comprends pas pourquoi les ennemis explosent autour de moi. On va dire dans le plus grand des randoms. Oh mince! Il lui restait un coup à mettre là. Après, la vengeance des âmes, c'est plutôt bien. C'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Là. Oh, mais sans déconner! Ça, c'est pas cool. Non, arrête avec tes potions. Laisse-moi tranquille. Ou alors, donne-moi des potions qui me soignent. Ça serait beaucoup plus sympa. Merci. Ouais, ce genre d'âme qui explose, là, je trouve ça sympa. Non, j'avais pas vu, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, vite, vite, mais non, mais non, mais non. Ok, c'est bon. Alors, l'arbre, je sais pas ce qu'il a pris, mais le pauvre, je crois qu'il est un peu déçu. Ok. Ben, d'un coup, en passant niveau 3, j'ai l'impression que certains de mes dégâts se sont débloqués. J'ai envie de dire tant mieux. On va pas s'en plaindre. Ouf, ça a l'air d'être le bordel en bas là. J'ai pas envie. Mais l'autre, il me canarde de. Mais arrête! Oh, mais mince! Voilà.
il a fait là. Pourquoi je le touche pas? Qu'est-ce que... Mais pourquoi je le touche pas? Quand même! Non mais là c'est fini là. Super. Lui il augmente mes capacités. En vrai je vais pas... Je vais... Ouais, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être le faire pour voir s'il me les... S'il me propose un truc un peu mieux que mon petit dash qui est pas très bon en soi. Oui. Ah j'avais oublié que c'était ça. Je pensais... Oh non, c'est pas possible. Bon, écoute, au moins j'ai des os. J'avais oublié qu'il me demandait ça. T'es le rocker. Plus que 25, hein, on passe niveau 4. Alors vite, on prend ça. Mais j'ai pas vu la fiole tomber. Aïe aïe aïe, coup dur. Hein. Coup dur, pas trop de vie. Pas content. Non. Ok. Il m'a fait peur. Augmente l'or. Ouais, trop bien. J'ai menti. Je risque de ressusciter sur eux. Ça me plaît pas. Oui non, là c'est dur. Oh mais l'autre qui spam là derrière. Ah il est un pénible l'épéiste là. Ouais super, j'ai ressuscité. C'est pénible. C'est là, il y avait tellement de projectiles, comment tu voulais que j'esquive tout quoi. Et il continue, hein. Que le ninja spamme les projectiles, ça me gêne pas. Je comprends, c'est normal. Mais lui, là. Sale gosse. Ah non, mais tu vas pas le faire, ton truc. Hein. Tu m'as énervé. Hein. T'as claqué mon raise, oh. T'as beau fait mon honneur, je te provoque en duel. Oh, tiens, le ninja. Oh, l'énigme. Et ça, c'est... C'est bien que quand tu as des esprits, donc en fait, j'ai merdé les esprits, c'est bien que si tu joues magique. Oh, il m'en manque deux. Oh non. Hey, salut madame. Avec toutes les fois où je suis venu, tu veux pas me faire un rabais de... 2%, non? Ça, c'est très moche. Parce que je vais jamais réussir le Cerbère avec... le Cerbère, la chimère avec ça, hein. Ça m'étonnerait. Hein. Ok. Mais c'est pas possible. Les trucs qui me foncent dessus et que j'arrête même pas. Wow, 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 wow. Mais c'est dingue. Hein. Y a d'autres démons qui viennent de là-haut ou pas? Non. Bon. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. J'ai toujours pas de régène en fait dans ce jeu. C'est un peu aussi le problème. C'est. Oh. C'est la régène. La régène, c'est dur, apparemment. À voir. Bon, il me faut quelques os pour essayer de passer niveau 4, et après, basta. Check. Oh non. Mais arrêtez de me balancer toute votre... Hein, bon. Votre haine au visage là. Yes, trop bien.
je prenais quoi là comme dégâts, sachant qu'il était congelé le machin. Je prenais des dégâts, le machin était congelé. C'est... Ça y est, ça commence. Ça commence à m'énerver. Oh ben c'est dommage. Bisous. Le salto est pas mal en plus. Ah ben le retour. Tu es sûr que tu veux pas jouer le clown? Non. Un vieux totem, non. Augmente l'attaque physique s'il y a au moins 4 ennemis, ben c'est bien mais c'est pas bien. La bombe, on s'en fout. Lors d'un sprint. Mais j'ai que des objets moisis au marchand. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Check, 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 check. Ok. On passe à la suite. Et là aussi, j'ai pris des dégâts. D'où ils sortent? Si je les congèle, c'est que j'ai pris un dégât. Et le problème, c'est que je vois aussi ma vie descendre. Donc, comme quoi, j'ai vraiment pris quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'arrive pas à voir les dégâts que je prends aujourd'hui. D'habitude ça va, bon... Je suis assez clairvoyant sur mes bêtises, mais là j'avoue que... Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui m'empêche de voir ça. Ah mais mes dégâts ils sont inutiles. Hein. Ils sont même négatifs. Mes dégâts sont tellement négatifs que je suis en train de soigner l'ennemi. Je suis en paradoxe. Là aussi j'ai pris un truc, j'ai pas vu ce que c'était. Bon là j'ai vu. Là j'ai vu, ça va. Aïe 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 aïe. Après je prends des dégâts, je regagne un peu de vie. C'est vrai que bon pour l'instant je suis pas trop à plaindre mais... Et encore la concentration. Ah non, je me suis trompé. Voilà. On supprime, hein. Oui. Ah, Yaksha. Ben, j'en ai pas besoin. Non, je vais pas m'embêter à faire le mini-jeu qui, au final, en plus, je l'avais raté une fois, celui-là. La boîte magique. Cet objet gagne une inscription aléatoire. Mais dites-moi quoi. Je préfère, limite. Ah là là, l'âme rouge là. Non mais s'il te plaît, mais c'est quoi ces dégâts négatifs, sans déconner. J'arrive même pas à les tuer. Mais si eux, je n'arrive pas à les tuer, mais... Imaginons que j'arrive à la prochaine zone. Je fais comment? Je ne fais pas, c'est ça? Oh non! Eh bien, j'aurais gagné du quartz noir. Et d'ailleurs, bah, tous les achats en quartz noir que j'ai eu à faire, bah, ils étaient vraiment pas ouf. Youpi! Je vais tellement mourir. Yay! Yeah. Mais il a même pas pris l'épée! Bon, vas-y! Moi j'essaie de gagner et tout, le jeu il veut pas. Si après le jeu il me met de trop gros bâtons dans les roues, je fais comment? Allez, vas-y. La pluie là. Petite pluie. Non, je n'enlève pas de dégâts, ma quintessence elle est mauvaise. Où sont mes corbeaux? Où sont mes dégâts ultimes dès que j'appuie sur un bouton? Bon, allez, c'est bon. On passe.
On passe, on fait comme si ça n'avait pas existé, on refait l'intro. Bonjour. Ouais, allez, le loup pour l'instant. Et non, le voleur, c'est bien, mais non, merci. Eux aussi, j'aimerais bien pouvoir acheter un objet que j'ai envie dès le départ, en fait. Ou avoir un meilleur choix. Certes, ils m'en donnent deux, ça peut être sympa, mais bon, pour 10 quartz, merci, quoi. Après, c'est comme le... Le type, n'importe quoi. Le dernier qu'on a débloqué qui me demande pas mal de quartz noir pour faire quelque chose, on sait même pas ce que c'est au final. Parce que si c'est juste pour habiller le château, je m'en tamponne un petit peu. Ça serait un truc pour augmenter mes stats? Je dis pas non. La recrue de Kerléon, c'est non. J'ai amené le loup au niveau 4, je m'en souviens pas. Non, je crois pas. Ta. Bon, j'aimerais bien gagner le jeu en fait un jour. Hein. Peut-être qu'il faudrait vraiment que je joue rapide comme le loup là. De faibles dégâts mais. Oh, de la vie. Je sais pas. Je sais même pas ce que je devrais jouer et ce que je devrais viser parce que ça dépend tellement de mes objets que. Après il y a des crânes qui sont naturellement forts, j'ai envie de dire. Mais... Bon, on a bien vu, j'avais. Je m'étais éclaté, mais je m'étais vraiment éclaté à jouer avec le... Super, zéro item, pas d'or, bon, c'est pas grave. Je m'étais éclaté à jouer avec le joueur, et la dernière fois que je l'ai eu, malheureusement, le stuff était vraiment trop mauvais et je faisais pas de dégâts. C'est dommage. Tchac. Pourquoi la boule elle est pas revenue pour une fois? Enfin, je vais pas me plaindre parce que j'en ai marre de ce boule. Allez! Mais vil démon! Kel'Thuzade était très drôle aussi là. Il y a deux semaines, pardon, j'allais dire la semaine dernière. Kel'Thuzade était très très fun à jouer. Vraiment. On va prendre de l'or pour l'instant parce que. Mais pas beaucoup et. Et pour un début, pour un premier item, ça peut être. Pour un premier. Ouais, bon, c'est bien. Ouais, Kel'Thuzade était très fun. Allez, vas-y, je vais toutes les prendre. J'essaie d'aller vite parce que cette zone commence vraiment à m'énerver. C'est pas la meilleure chose à faire, je pense, de me dépêcher. Le motard, il est rigolo le motard. Bon allez, on prend des os, pour l'instant c'est bien, j'aimerais bien passer niveau 3 assez vite. Où il est? Le loup est vraiment bon aussi en l'air, hein, mais je pense que rien que ça ne fait pas le perso, quoi. Après, il régène, lui. C'est ça, hein. C'est la ruelle sauvage qui me donne ça. Ben non. Mais alors, qu'est-ce qui me fait reprendre de la vie passivement dès que je tue? J'ai pas l'objet. Oh, mais c'est pas possible, j'ai toujours pas d'argent. Ah, super, allez, on va acheter ça, voilà. Youpi, j'ai la racine de... Bon. Je me dis que si je l'achète, peut-être que je débloquerai un jour mieux, à la place, je sais pas. Qu'est-ce qui me fait regagner de la vie? Ah, ça doit être ma... Ça doit être le sanctuaire que j'ai pris au début. C'est vrai que je l'ai pas lu. Tac, au revoir. Non, oh là. C'est plus rapide.
oxygène, ça fait du bien. La pommade explosive. Ah, le pauvre arbre. Encore une fois. De l'or, super. Un peu d'or, un peu d'or, un peu partout de l'or. Bah, j'ai dashé, j'étais pas du tout sur le point quand même, là. Ouais, non, mais en l'air... J'ai l'impression qu'en l'air, le perso, mais il peut être complètement... complètement idiot, quoi. Super. Là, par contre, c'est moi qui ai fait de la nullité. Regardez ça, quoi. Tac, 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 tac. C'est pas normal. Il n'y a pas un objet, je crois, qui augmente les dégâts aériens. Si, hein. Je me souviens avoir vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Les attaques de base infligent 10% de pur... Oh. Ça, par contre, je dis pas non. Je tape tellement vite que si je fais 10 de dégâts... Ah oui, non, non, c'est très très bien. Dommage, je peux pas passer niveau 3. Ah oui, non, mais là, ça va être très très bien. Ok. Que ça soit lui, que ça soit le joueur ou le joker, le clown, bon, qui devient au final le joker, c'est un très très bon item, hein, pour un rapide. Et vu que je joue en rapide, c'est très très bien. Bon, par contre, je prends des dégâts, là. Je fais le n'importe quoi et le non-sens. Mais c'est pas possible, donnez-moi dans une maison. Je me demande même si avec le loup c'est pas efficace de vouloir taper un ennemi dans le dos. Mais je me dis que les boss malheureusement je peux pas trop les taper dans le dos. Ah c'est Kratos, ça aussi Kratos un jour faudra qu'on l'essaye. Je l'ai essayé une fois vite fait et j'ai dit mais. Sauf que je sais très bien que le taux de critique c'est très bien avec mon personnage. J'ai hésité avec l'épée qu'on avait prise tout à l'heure aussi mais... Là, je pense que la vitesse d'attaque, j'ai pas trop besoin. Là, ça serait les dégâts purs qui... Enfin, les dégâts en pur et dur qu'il me faudrait. Mais pour l'instant, je suis pas trop à plein normal. Ouf. Là, je l'ai pas vu arriver. Là. Ouh, la vitesse d'attaque augmentée. Babababadi, pas de bobo. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas ouf, mais bon. On le prend, de toute façon, c'est gratuit. Ah, j'avais pas vu que c'était déjà eux. Ah, mais bon. Vas-y, reste en l'air, toi, voir. Elle vole. Tout ce qu'elle a fait pour l'instant, c'est voler. Oh, Becky! J'avais pas vu qu'elle s'appelait Becky. Oui, c'est drôle, d'accord. Pour ceux qui ont vu le cœur a ses raisons, c'est très drôle. Allez là, dick 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 dick. Ouais non, les 10 de... Je vais les garder. On prend un peu de dégâts à la place de ça. Parce que je n'ai pas besoin de magie. Merci. On passe niveau 3, oui. Et je l'ai jamais passé niveau 4, si j'ai pas de bêtises. Ça, on l'avait déjà vu. C'est quoi ça? Le déchiquetage. Déchire ses ennemis à main nue inflige des dégâts magiques, c'est dommage. Les ennemis affectés subissent un effet d'hémorragie. Vaincre des ennemis avec cette compétence réinitialise le rechargement. C'est fort ça. Ouais. Ah mais pareil avec la chasse. J'avais jamais lu ça moi, avec lui. Je veux des os. Ah oui, j'ai un passif qui dit que plus je tape un ennemi et que je bouge pas ou... Je sais plus, faut que je relise. Ah, dommage. C'est
quoi le passif déjà? Vaincre des ennemis augmente la vitesse de déplacement et la distance de sprint pendant 3 secondes. Augmente son taux de critique jusqu'à 30% pour son... En pro... Ah oui, c'est faut bouger. Et on fait bouger. Le génie. Très bien le génie. C'est plus je bouge, plus je suis mobile avec lui, plus je fais des dégâts. Et de critiques. Ce qui est bien vu que j'ai un truc qui augmente les critiques. Oups. Merde, pardon. Ok. Oh, salut. Ah, c'est bien ça. Pas du tout. Si, ça augmente les critiques, mais... C'est pas non plus... c'est pas non plus l'objet de l'année, quoi. Non, il me faudrait vraiment des dégâts physiques en plus. Qu'est-ce que c'est que ça, là-haut? C'est de la magie? Ah oui, l'ordre d'échange. Bon, mais c'est vraiment... Oh, on va prendre ça? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est lui! Non, ça c'est fort, ouais, j'aime bien. Ah, c'est celui-là que je... Bon, c'est pas grave. On va essayer de prendre des os, on va essayer de viser au moins les 100. Oh, j'ai le vent devant moi, c'est très bien ça. Surtout si le vent fait des dégâts... Surtout si le vent fait des dégâts bruts lui aussi, ça peut être très cool. Ouais, j'ai l'impression que je fais un peu plus de dégâts que tout à l'heure, cela dit, donc c'est plaisant. Allez! Ouais, monsieur le loup, j'avais dit qu'il était pas mauvais, et au final, ben, je le redis. Voilà. Je redis, il est loin d'être nul. Mais voilà, si t'as un bon stuff avec des dégâts ben, fixes, en fonction de ce que tu fais, c'est très fort. Parce que techniquement, j'ai pas beaucoup d'objets qui augmentent mon attaque physique. Il y a celui-là. Celui-là, non. Celui-là, ouais, c'est juste un poignard. Voilà. J'ai rien. J'ai pas d'objet qui renforce mon attaque, mais il s'en sort très bien parce que ben, la vitesse d'attaque de base l'aide beaucoup. Et... Ça l'aide beaucoup et... Hop. Ah bon, c'est très bien là. Ouais, ok, je m'en sors très bien là pour l'instant, je suis content. Salut! Ah là là! Ah, j'ai hésité. Alors là, normalement, les filles, ça devrait le faire mieux que d'habitude. J'espère. Je regagne encore de l'or. Et pourtant, à chaque fois que je vais... Bon, je fais pas des salles avec de l'or, cela dit, mais... J'aimerais bien passer le loup niveau 4. Pour l'instant, je m'en sors pas si mal. On va voir si contre elle, je m'en sors bien ou pas, en fait. Ouais, écoute, c'est gratuit ça, donc autant le faire. Oh la vache! Non, non, mais c'était la pire idée! C'était la pire idée! Elle a 20 millions de points de vie maintenant, elle! Oh non! Oh, elle va tellement me mettre. Faut que j'attende que ma quintessence me... Oh, dommage. Faut que j'attende que ma quintessence se recharge. Oh non! Et je fais n'importe quoi! Ah! Oh putain! Cette attaque, c'est vraiment l'enfer, hein. C'est trop le random. Elle m'a fait peur. Non, pas ça! Olé. Vas-y, meurs, voir, merci. Ah, oh, mais cette attaque, mais quelle... Oh.
en cette quintessence de l'amour. En dégâts bruts en plus. Ah là là, c'est trop bien. Oui, qu'est-ce que c'est que ce livre? Le Démonomicon. Nope. Au revoir, Yves. Est-ce que je reste ici ou pas? Non? Ah. Ce bug aussi, sans déconner. Pourquoi ils l'ont pas corrigé? C'est dommage. Bon, moi ça me fait rire, mais... Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est super critique envers le jeu. Bon, par contre, les dégâts sur les... Les types, c'est toujours pas trop ça, hein, sur les alchimistes. Je suis un peu déçu. Oh, un objet. Oui, aïe, aïe. Salut, je me téléporte. Hop, les... Je chasse. Ah, non, non, je chasse. Ah, non, 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 non. C'est bon. Oh, non! Pardon. Il lui restait un point de vie. Check. Bon, après, je l'ai éclaté, mais... Merci de m'avoir sauvé. Et oui. Montre, c'est quoi? J'ai oublié. Oh, Jésus. Hello, you. On va le juste le garder. On va le tester. Parce que avec le les dégâts... C'est quoi comme attaque que j'ai? La roulette qui est pas mauvaise, mais... Et les dés. Les dés, c'était pas mal, j'avais bien aimé. Ouais, mais en l'air, il est pas fou. Par contre, au sol, il est loin d'être nul. Bon, pour l'instant, je vais essayer de... On va le garder en cas. Mais pour l'instant, j'aimerais bien buter le loup. Non, pas possible. Donnez-moi un objet de... Même sur l'autre game, j'ai pas eu de... Oh... Pff. De toute façon, je peux rien acheter. Donc autant prendre la vie et me barrer. Mais je veux les os. Ouais, désolé, pardon. J'essaie de me concentrer un peu et je suis en train de réfléchir à... À ce que j'aimerais faire comme build en vrai. Est-ce que je continue sur le loup? J'ai envie de dire oui. C'est vrai que le joueur me donne envie parce que j'aime bien son style, mais vu comment la partie est partie, je pense que j'aimerais peut-être mieux jouer le loup. En essayant de build physique, si possible. C'est vrai que ce serait chouette. C'est vrai que ce serait bien, mais... attendez, on va prendre ça. Et on prend ces os-là. Et il m'en manque pas beaucoup. Et dommage, pas assez... Ah bah si, peut-être en fonction de ce qu'ils vont me donner en résultat. Alors toi, ma pauvre... Oh mais non, mais tous là! Au revoir! Ah, elle est pénible, lui, elle. Bon, c'est son job, hein, cela dit, mais... Pourquoi tu t'es TP en dehors de son bouclier? C'est dommage. Eh, mais c'est lui qui a un acier forgé, ou moi qui lui fais pas de dégâts? Non, non, je pense qu'il est en acier forgé, le machin. Bon, c'est quoi, ça? Archidémon. On se souvient pas. Ah, oh, mince. C'est dommage, ça. C'est pas mal. Ah, je vais prendre les os pour le passer niveau 4. Au moins, je me concentrerai sur le stuff après. Attention, pour la première fois, le loup niveau 4. Ou pas, on va voir si j'ai mon succès. Et la réponse est... J'ai mon succès, le plus grand loup-garou. Pourquoi il est vert? Parce qu'en plus, je fais du poison. Attends. Lisons, lisons.
augmente sa vitesse de déplacement et sa distance de sprint de 10%. Ça, c'est de base. Vaincre les ennemis augmente la vitesse de déplacement et la distance de sprint. Ça, c'est bon. Augmente son taux de critique et ses dégâts de critique jusqu'à 30%. Ah, il y a les dégâts aussi maintenant qui influent sur ma distance. Ah oui, d'accord. Bon, ben. Eh bien, faisons ça, hein. Maintenant, bah, achetons de l'or. Ça me fatigue. Donc voilà, je m'embête pas avec ça. Oula. Et mourrez tout seul dans votre coin, là-bas. Ok. Il est rigolo, vert comme ça. Je m'attendais pas à ça. Il est pas moche. Oh, le vent. Et oui, en ce moment, le vent, il est très frais. Comment vous vivez, d'ailleurs, ces changements de température intempestifs? Bon, ok, on arrive vers l'hiver, mais... C'était la question du jour. Comment vivez-vous la météo en ce moment? On a vécu pire, on a vécu mieux. Au moins, on a du soleil aujourd'hui. Enfin, du moins dans mon coin, j'en ai. J'essaie de discuter avec vous, oui. Parce que j'étais tellement concentré, là, sur les dernières salles. Ben, j'ai un bon perso, je trouve. Là. Ça serait dommage de... Oh. Mais c'était le meilleur objet! Oui! Allez, au revoir. Mais oui, c'est celui-là que je voulais, là. La trancheuse d'espoir. Ah. Mais c'est très bien, ça. Oui. Les dégâts, j'aime. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime, oui, d'accord. J'aime. J'ai de la vie. Est-ce que je prends de la résistance? Est-ce que je prends la salamandre? Est-ce que j'ai déjà un objet à virer? Alors, il y a celui-là, techniquement. Même si j'ai de la vitesse d'attaque. Celui-là a changé. Les PV, si je peux avoir les PV et le fait que je glace, c'est bien. La fraîcheur des températures. Bah bravo. Ça, je pourrais le changer. Bon, en fait, j'ai plein d'objets à changer. J'ai... Oh, mais j'ai pas de stuff, en fait. J'ai pas de stuff, mais j'ai pas d'or. Oh non, si j'explose toutes les fioles, là, on... Oh là là, oh là là. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air, non, non. Enfin, si, techniquement, j'aimerais bien aller me balader après, mais... Aller marcher, d'ailleurs. Ah, mais oui, ben... Je vais faire de la pub pour... Pour Niantic et pour Nintendo, un petit peu, j'ai envie d'en parler. La semaine dernière, bon, ça, fait ça a été un peu annoncé très très rapidement, cela dit. Je sais que ça allait exister, mais il y a un moment dans la vie, ils avaient fait des rumeurs comme quoi il existerait un nouveau jeu en gros, Pikmin Go. Alors c'est fait, depuis une semaine, ça s'appelle Pikmin Bloom. Ah, j'ai peut-être bien fait ça. Porte une attaque de... Gagne un PV et augmente les taux de critique et la vitesse d'attaque pendant 20 secondes. Très bien, pour chaque compétence ennemi, tu avais cette compétence. Ok. Charge et mort un ennemi. Oui, bah j'ai toujours la chasse. Ok. C'est vrai qu'ils ont besoin de pub. Non, ils ont pas besoin de pub, ça c'est sûr, mais. Lors d'un échange, crée un vortex géant. Non. Non, c'est juste que voilà, ils ont sorti Pikmin Bloom. Alors, à ce stade-là, et après y avoir utilisé le logiciel pendant une semaine, alors, j'ai envie de dire, à part marcher pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est pas mauvais non plus. C'est un podomètre, mais un peu plus fancy, qui essaye de te pousser... J'ai l'impression qu'il te pousse un peu plus que Pokémon Go à sortir. Pokémon Go, c'était vraiment un jeu... Bon, voilà, si t'as besoin de capture... Je sais pas. Le but est assez différent. Pikmin Bloom, pour l'instant, essaye juste de te faire marcher. Et si tu marches en posant des fleurs, ben, le monde est content. Et le but du jeu, pour l'instant qui a été annoncé, est d'essayer de fleurir le monde entier. Voilà, juste en marchant et... Il est... Pour l'instant...
pas assez bien optimisé, mais c'est normal, il est très récent, donc j'espère qu'il y aura des mises à jour assez conséquentes. Et il est plaisant. Bon, pour les gens qui aiment Pikmin, oui, ça peut être rigolo, mais c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas un vrai jeu, c'est vraiment, moi je le considère comme un podomètre un peu plus joli que le Google Fit, si vous préférez. Par contre, on en parle que je l'ai atomisé lui ou pas hein, pour l'instant. Je prends des dégâts aussi. Hein. Je l'ai éclaté. J'ai éclaté la chimère. Mais genre très fort. Hein. Je sais pas ce que je lui ai mis, mais bois. Bois. Augmente l'attaque physique et magique s'il y a au moins 3 ennemis. Bon, on va le prendre parce qu'il y a des objets que je m'en tamponne. Hein, genre celui-là. Et vu que je rise... Oh, mais oui, il va y avoir beaucoup d'ennemis sur le prochain boss. Ouais. Oui, bon, je fais ça juste pour augmenter l'arbre. Hein, je m'en fiche. Donc ouais, Pikmin Bloom, très rigolo. Très très mignonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Très mignonné. Et puis voilà, c'est tout. J'ai envie de dire, essayez-le. Essayez-le, c'est pas non plus le truc de l'année. Hein, pour l'instant, après je sais pas trop ce qu'il va en faire, hein, cela dit. Hein. Et puis plus t'avances, plus tu... Plus t'avances et plus tu vas débloquer des trucs. Peut-être qu'ils vont même faire... ils vont voir ce que les gens en pensent. Moi, après, c'est vrai que pour l'instant, je le vis comme un podomètre un peu plus fancy. C'est pas grave. Hein. C'est vrai que, bon, Pokémon Go, t'as un peu plus le côté... Bon, ben voilà, c'est un Pokémon. Il faut que tu ailles capturer tes trucs, tout ça. C'est normal. Hein. C'est ce qu'on attendait, cela dit, de Pokémon Go. Pikmin Go, ben moi j'en attendais pas grand chose parce que je ne voyais pas du tout ce qu'il pouvait faire en fait avec ce genre là. Et on verra ce que ça donne. On verra s'ils mettent la partie jeu un peu plus en avant ou la partie podomètre. Restant lentement les PV lorsqu'ils sont en dessous de 30%. Oh. C'est mieux que cette daube, hein, soyons honnêtes. Hein. Oui, c'est largement mieux que cette daube. Merci la racine revigorante. Donc voilà, je sais pas si vous, dans le chat, vous avez utilisé ou essayé Pikmin Go. Voilà, moi ça reste mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a du heal là-haut et j'arrive pas à le choper. Je croyais qu'on devait... Ok. Je croyais qu'on devait me régénérer ma vie quand elle est en dessous. Ok. Au moins j'ai pu choper le truc. Ma vie, elle a tiré la gueule sur cette map. Hein. Augmente l'attaque physique. Ouais, on va le prendre à la place de... Ça. On va attendre un peu que la vie, du moins le sanctuaire de vie me rende de la vie. Voilà. Ok, go. Ah mince, j'ai plus le vent. Bon, c'est pas très grave, mais... Mais il fait rien, celui-là, le monstre. À part l'heure du goûter, mais c'est pas lui. Ok. Tchac 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 tchac. Oh, je peux me purifier. Je le ferai à la fin du combat. Ah, les trucs explosent, c'est pas très fun. Hein. Et pourquoi les monstres deviennent des tentacules. Ah, un marché de la vie, oui. Rien là-haut encore une fois.
Un objet qui vaut le coup, lors d'un sprint, génère une truc d'énergie, restant un PV par mort pendant 2 secondes lors de l'échange. Non. Après avoir utilisé une compétence, l'attaque normale suivante inflige des dégâts physiques supplémentaires. Ça peut être bien. Je pourrais le mettre à la place de... Ouais, de ça. Là, voilà. Eh bien oui. Je vais le mettre à la place de ça, c'est vrai que... J'utilise pas mal de compétences avec lui, je pense que ça peut... bien faire. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. J'ai vu les dégâts que ça a mis sur la suivante, c'est bien. Ah mince, j'avais oublié qu'il faisait plusieurs coups. Arrête de m'embêter! Ça c'est bien, ça donne des trucs bien. Augmente le taux de critique, encore? On s'en plaint pas, mais... J'aurais bien aimé les dégâts, voilà. Faut être honnête, hein. Ah oui, non mais l'attaque physique augmentée, c'est pas des blagues par contre. Hein. Un bon objet? Alors, les attaques d'objets. Non. J'ai pas d'attaque sur les objets si j'ai pas de bêtises. On va prendre des os. Je vois pas trop, mais... C'est l'heure du goûter. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez de m'embêter. Bon, j'ai peur de dire une énorme bêtise, hein, mais pour l'instant, pas trop de portes et j'en suis très content. Ah non, non, pas les portes de l'enfer, hein, non merci. Cette attaque aérienne, elle est vraiment rigolote. Ouf. Ah, ils me fatiguent les deux. Mais qu'est-ce qui me fatigue? Ok. Le crâne de glace, très bon crâne aussi. On aime beaucoup. Allez, le mid-boss. Je risque de queener un petit peu. Mais j'ai mon item. Oh, on l'avait jamais eu. Léonie, déesse des cieux, veille sur moi, Ménodolimé. On l'a jamais eu, je sais pas ce qu'elle va me faire. Hein. Sauf qu'elle est ronde de ce squelette maléfique. Oh mince! Elle commence fort, dis donc. Car je vais vaincre. Alors déjà, moi j'ai utilisé ça. Hein, ne te déplaise. Par la Sainte Croix, oui. Oh la vache, ce qu'elle me met! Ah, et là maintenant, elle est buggée. Oh, c'est bien dommage. Mais c'est un vrai mur! Oh, faut le détruire, j'avais pas lu. Bah oui, mais c'est la première fois, madame. Oh la vache! Allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ameno Dolimé, oui. Oh là. Ok, on esquive. Oh non. On esquive plus là. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, 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 on la tue. Allez. Aïe! Allez, non! Oui, par ici! Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, vite! Ok, c'est bon. Elle a fait de la lumière magique, ça m'a fait peur. un combat assez sympa. Oh oui. Ah, dommage. Ça augmente les dégâts, mais bon. C'est pas non plus fifou. Salut! J'ai oublié de sauter sur le premier. Au revoir. Non mais non mais non. Oh là 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 là. Après si j'ai pas trop de vie en fin de... En fin de map, je peux régène grâce à mon item. Bon, c'est déjà pas mal. Non mais c'est pas possible. Oh. Il est toujours vivant. Ok. Alors, qu'est-ce que tu me dédoubles, toi, la vase magique? l'item que je viens d'avoir.
échanger avec ça, oui. Parce que celui-là est un peu plus situationnel que celui que je viens de prendre. Mince. Bon, ils sont tombés. Hein. Ah, mais qui fait ça, là? Arrêtez! Je ne vous permets pas. Mais je fais que de la bêtise, moi aussi, là. Je reviens. Attention, j'arrive. Voilà. Là aussi, c'est ces espèces de trucs, j'aimerais bien entrer dedans. Alors, non, j'en fiche, merci. Ah, mais c'est pas possible. Super. Au revoir. Au revoir. Voilà, je préfère les trous aux portes, en vrai. Parce qu'au moins, ça, ça peut m'aider. Ça serait bien d'attendre. Bah, on va attendre au marché. Alors, d'abord, on attend. Pour avoir... Bon, on va voir ce qu'on a à vendre, mais bon, on peut pas prendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Assommer un ennemi. Ah oui, on l'a déjà eu. Et tous les projectiles explosent au contact, ça peut être bien. On va attendre de régène grâce au pouvoir de mon sceptre. Et après, je me heal. Ok, je ne peux plus avoir le pouvoir de le sceptre. Hein. Donc c'est parti. Poup. Bon, pour l'instant, on est bien. Hein. On a passé le mid-boss. Ça a failli être une catastrophe, c'est vrai. Mais écoutez, moi j'en suis content. Hein. Tchac. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, les dégâts sont là. Hein. Les envahisseurs aussi, apparemment, mais c'est pas grave. Le goûter. Ouf. Alors, on n'est pas allé en bas. Je crois malheureusement que j'ai pas trop le choix. Ok, c'est bon. Qu'ils explosent. 30% de réinitialiser les chargements, non. Parce que déjà que mes sorts peuvent le faire passivement, c'est pas très grave. Et puis les CD sont pas très longs, pour le dire. Oh, je l'ai fait en l'air, mais quel imbécile. Bon, là c'était gratuit. Arrête toi. Il y a un truc derrière moi là. Il est où? Il est là. Oh là. Ta 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 ta. Ok. C'était un peu une... Mais... Ces boules de feu aussi, je leur ai rien demandé. Ah, bah ça, c'est exactement l'objet que je voulais à la place de ça. J'ai 5 PV de moins, mais ça m'est beaucoup plus utile. Allez, hop. Ça, c'est fait. Il va me le lancer. Ah ! Il va falloir que je me purifie hein, avant la fin, parce que là ça risque de pas être la fête. Hein. Non, je crois qu'il y en a une, non? Oh la vache. Toi, t'es pénible, toi. Voilà, coincé dans un coin, c'est parfait. Toi, je sais pas ce que tu fais, donc... Au revoir. Et pour l'instant, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien, mais bon. Oh, mais on y est. On y est. Bon. On y est. On va essayer d'être fort. Allez. On y croit. On essaie de passer cette zone à l'avant. Hein. Voilà. Du moins, j'essaye d'y croire. Mince. J'essaye d'y croire. J'ai encore ma raise. Ou alors, elle a été claquée sur un truc et j'y ai pas fait attention. Mais ça m'étonnerait. J'ai vraiment l'impression que je peux le faire. Je vais... Excusez-moi si je me concentre. Oh là là, mais j'ai déjà fini ça. Ta 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 ta. Alors, vraiment, m'en voulez pas si je parle pas trop. J'essaie vraiment de me concentrer là-dessus.
Ouais, mais sans déconner, c'est quoi ça? Mais comment je suis censé le savoir? C'est pénible! Oui, bah maintenant tu vas morfler, mon pauvre. Bon, j'ai ressuscité. Au moins je l'avais. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça me rappelle un boss de Hollow Knight. La méduse, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quoi ces dégâts là? Mais oh là là, mais c'est n'importe quoi. Super, je suis mort. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai pris 12 millions rien qu'avec sa lumière. Mais ils sont possibles au moins ces boss? Parce que j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression de tout donner à chaque fois et... Et de me faire juste cracher au visage, quoi. C'est pas marrant, c'est même pas marrant. Si tu peux rien anticiper, c'est dommage, mais... Bon, on est reparti, mais... Enfin, franchement, ça commence à me gonfler, parce que j'avance plus, quoi. Genre, mais si, t'es sur la deuxième phase du boss. Bah ouais, mais enfin... Sans régène de vie ni rien, je fais comment? Genre là, sans déconner, rien, quoi. Je faisais beaucoup de dégâts, mais c'est vrai que ces dégâts, lui, sont énormes. Il te fait perdre 100 points de vie d'un coup. Bah oui, je l'ai vu. J'ai pris un rayon laser, c'était fini. Mais sauf que je fais comment à ce niveau-là pour tous les esquiver? Genre les esquives, elles me rendent pas invincible, c'est le problème, hein. Certes, ça peut aider, mais... Si ça veut pas, ça veut pas. Ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, en fait. Ou alors si j'y arrive, ça va être juste sur un gros coup de moule. Et c'est dommage. Je sais pas quoi faire, ça me désole en vrai. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Ça me fait un peu suer, ouais. J'avais un stuff de fou. Je sais pas ce que. Enfin, à part pas me prendre les dégâts, mais sans déconner, il y a des boules en plein milieu. Le sol est moisi. Il y a des trucs qui popent de partout. Je suis censé faire comment à ce niveau-là? Comme le rayon laser, d'un coup, le jeu dit bof. Arrête. C'est le rayon laser, j'étais forcé de me le prendre sur la tête. Il n'y avait aucune indication que j'allais prendre un rayon laser, le premier, quand il était encore assis sur son siège, là. Aucune indication comme quoi j'allais le prendre. C'est pénible. Ce qui explique qu'il soit si difficile. Alors attends, c'est peut-être le boss final? Je ne sais pas, c'est le problème. C'est vrai que Nino, la dernière fois qu'elle était passée, elle m'avait dit je te dis ou pas si tu veux savoir la fin, mais sur le coup j'ai dit non. Au final, je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir si c'est la fin ou pas, parce que l'histoire, on dirait qu'elle a toujours pas avancé, quoi. On a croisé le héros une fois, il nous a fracassé, j'imagine que c'est lui le boss de fin et pas le prêtre. Je pense qu'il va falloir qu'on tue le premier héros. Je pense que c'est ça la fin du jeu. Mais ouais, je sais pas. Les gens comme ça aussi là, les semi-boss aussi qui peuvent se régénérer la vie devant mon nez, ça me fatigue aussi. Genre, je bois une potion, mais toi tu peux pas le faire. C'est chiant. Ce genre de boss où tu dois l'avoir fait au moins une fois pour savoir son pattern. Mais j'ai l'impression que même si tu connais son pattern, tu prends le rayon laser dans la tête, c'est fini.
Et puis, à part attendre qu'il fasse son attaque, c'est bête à dire, mais la chimère, heureusement que je la frappe, parce que même si j'attends ses patterns ou quoi que ce soit, je me fais éclater. Mais c'est pas rigolo. Non, je suis un peu déçu, là. Je me suis dit, c'est la bonne, j'ai de quoi faire, pas du tout, donc ça me déprime, ouais. Je pense que je vais jamais arriver à finir ce jeu. Parce que là, c'est une question de niveau et de... Et de stuff. Et le niveau, j'ai pas l'impression d'être de mieux en mieux sur le jeu. Et le stuff, malheureusement, je peux pas savoir. Elle, c'est pour augmenter ou changer ? Ouais, c'est la changer. C'est un peu dommage, j'arrive pas à savoir si je vais arriver un jour à le finir ou pas. Ça me fait chier parce que j'ai pas envie d'abandonner et que j'aime beaucoup le jeu, mais à un moment donné, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? S'il me manque un objet à prendre avec du quartz noir, et après, niveau progression de personnage, je ne pourrai plus rien faire. Sachant que là, les objets que j'ai pris, ils ne me sont pas utiles. Bon, si les parchemins et gagner de l'or, oui, ça peut m'être utile, parce que j'aurai un peu plus de possibilités d'achat. Mais l'autre, non. C'est je gagne un bouclier de 10 si je change de crâne. Sauf que depuis le début du jeu, je ne change jamais de crâne. Peut-être que je devrais, c'est vrai, mais c'est pas un gameplay qui m'attire, en fait, de changer complètement de set de compétences, de façon même de jouer, parce qu'il y a des crânes qui sont, pas jouables, hein. Enfin, je sais pas, pour l'instant, ça mine le moral plus qu'autre chose, quoi, ça me fait chier. Je me demande si je vais arriver à le finir, quoi. Parce que j'imagine qu'il y a une autre map en fait après les pourtours du château là, je suis certain qu'il y a une dernière zone. Juste ne serait-ce que déjà pour arriver à 5 et un chiffre rond. Bon, je sais, c'est la pire explication du monde. Mais il faut tuer le premier héros en fait. Moi, j'imagine que le jeu voudrait me faire tuer le premier héros. Vu qu'il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de suite ou quoi que ce soit, j'imagine de prévu. Je pense que le jeu s'arrêterait à ça. Mais que j'aimerais bien l'atteindre au moins, moi, ce premier héros à la noix. Il n'y a pas assez d'objets défensifs dans le jeu. Enfin, il y en a, mais ils sont pas utiles. Genre bravo, vous gagnez 40 points de vie. Ouais, le boss de fin il m'en enlève 100. Tes 40 points de vie, malheureusement, je m'en sers pas. C'est pas que je râle, c'est que c'est factuel, c'est difficile. Ok, cool. J'aime bien un jeu difficile. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, je n'avance plus. Je n'avance plus et je ne vais pas pouvoir avancer. Ça va être le problème. C'est niveau progression du personnage, à part peut-être les items dans le magasin de quartz noir, mais j'y crois pas, pour l'instant j'ai vu que de la daube. Mais quand je dis de la daube quoi. On en reparle de la racine. Puis là l'arbre, les dégâts c'est compliqué. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, je vais essayer, parce que de toute façon, déjà, je ne peux faire que ça. Je ne peux faire qu'essayer, mais là, je suis un peu découragé, c'est vrai. Après, s'il y a des gens qui ont déjà fait le jeu ou quoi, qui veulent filer des conseils, oui, il n'y a pas de souci, j'écoute. Je suis certain que je passe à côté de mécaniques de jeu assez fortes et très importantes, hein, c'est vrai. Je pense, oui. Je connais pas très bien le jeu, oui. Allez, merci.
Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage d'en être arrivé si loin avec un stuff plus que décent et malheureusement bah, de pouvoir rien en faire. C'est très dommage. Très très dommage. Bon, on va voir. On va voir. Chaque run a son lot de surprises ou pas. On est déjà tombé sur des runs où malheureusement, ben. Quand ça voulait pas, ça voulait pas. Et pour l'instant, ben, je sais pas si ça va vouloir. Certes, je suis en acier forgé, mais. Je sais pas ce que ça va donner. Ne serait-ce que les sœurs, là. Avec ce personnage-là, ma vitesse d'attaque, elle est négative. On va voir. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais... Déjà, un, c'est pas sympa pour les ours. Hein, ils ont rien demandé. Et ouais, je sais pas. On va voir, mais je pars pas forcément très confiant. On va dire ça comme ça. Aïe aïe aïe. On est quand même d'accord, il va falloir être bien meilleur. Si un jour je veux le finir ce jeu. Et le pire, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait un succès, c'était finir le jeu avec le héros de base. Alors oui, certes, ça peut se faire, j'imagine, mais... Oh, mais... La difficulté du défi, quoi. Je sais pas, ça me... Ouais. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. J'aime pas. Ah! Un nouvel item. Ah mais c'est l'épée solaire. Mais j'ai l'anneau. Eh ben voilà. Ben j'ai les deux là. J'ai l'épée solaire et l'anneau lunaire. On augmente l'attaque magique lorsque l'épée solaire est équipée. Harmonie s'active. Et Harmonie s'inflige des dégâts physiques ou des dégâts magiques toutes les 10 secondes et augmente l'attaque physique. Ben c'est très bien. Allez on garde ça. Pourquoi elle était dans ce marché là? Ok, bon, on a ça. Augmente l'attaque physique de 15% pour chaque compétence en rechargement. Non. Je veux des os, s'il vous plaît. Après, oui, l'harmonie, bon, bah, si toutes les 10 secondes, il y a un truc qui se passe, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais là, il faudrait, avec ce genre de... Avec ce genre de stuff, ce serait bien d'avoir un personnage hybride, tel que le clown ou même le joueur, si j'ai pas de bêtises. Là, pour l'instant, je tape très fort en physique. Bon, j'ai 2-3 trucs magiques, mais je sais pas si c'est ça qui va faire mon stuff. Hello, ghoul. Ok, déjà, je pourrais passer niveau 3. Bah je cogne hein mais... Je sais pas si je vais y arriver, ça me... Ouais. Ça m'a un peu refroidi. J'étais super chaud. Et ça m'a refroidi. Bon ça arrive hein, combien de fois je suis mort par exemple sur Isaac, sur le dernier boss du jeu, il te reste un point de vie, il lui reste un point de vie et tu meurs, bon. Ça peut arriver, ok, pas de soucis. Mais là, ça fait plusieurs fois que je fais que perdre ici et... J'ai vraiment l'impression de ne pas avancer. Ça m'énerve. Oh là là, la pauvre sœur, ce qu'elle a pris.
Bah lui aussi au final, il a pas fait long feu. Hein. Ouf. Ok. C'était triple D. Ah. Le canon à neige c'est non, l'éclair c'est non, et bon on va prendre les eaux, en plus ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup et ça commence à me faire économiser pour être niveau 4. Je l'ai jamais fait l'arbre niveau 4 si j'ai pas de bêtises. Je vais le dire à chaque personnage, je m'en fous. Mais le niveau 3 on l'avait fait. Ça je m'en souviens que j'avais un gros coup de poing là, genre blonk blonk. Oui il fait blonk blonk. Commencez pas à vous moquer. Le coup de poing fait blonk blonk. Non mais non, je l'ai vu venir mais... Ah bah ma vitesse d'attaque. Ah la vitesse d'attaque c'est pas ça Marie-Louise. Hein. Bam, 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 bled. Comment ils sont morts? Ah oui, j'ai fait un double saut sur une bombe. Bluff. Donne-moi les os, les os, les os, des os, les os, oui, les os. Très bien cet arbre. C'est pas trop mon style de jeu d'habitude, hein, les trucs un peu bourrins où t'attaques une fois, tu fais 20 000. C'est pas trop ma tasse de thé, c'est vrai, mais bon. Je vais le prendre en cas. Je vais le prendre en cas parce qu'il est vraiment chouette. Oh, des petits zones guéris là, mais ouais. Ça, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Et c'est non. Ah, j'ai assez d'argent, cela dit, pour changer. C'est bien ça. Le virus, c'est pas mal aussi. On va prendre ça, en attendant. Vu que je suis un peu tanky, on va essayer de jouer là-dessus. Si on revient sur le boss que je viens de faire, sans rigoler, sans rage ni rien, apprendre le pattern, ok, pourquoi pas. Mais alors, enfin, il va falloir que je le fasse des millions de fois et je sais pas si je vais y arriver plusieurs fois en fait à ce niveau-là. Parce que j'étais très très bien dans ma game. Après, j'ai l'impression que mes rapides sont loin d'être mauvais. Et j'aimerais bien rejouer le ninja. C'est vrai que je l'ai vu deux fois aujourd'hui, j'aimerais bien le rejouer. De souvenir, je m'étais amusé avec. Même s'il est pas rapide, parce qu'à la base, il est pas rapide, c'est au contraire. Je tape plusieurs fois. Mais à une petite vitesse. Bon, on va voir. Pour l'instant, là, les deux, je sais pas comment je vais faire. Sur les... Certes, j'ai mon anneau et j'ai mon harmonie. Mais... Enfin, ça aussi, on en reparle de l'harmonie, mais. Le. C'est deux objets quand même hein, qu'il me faut pour faire cette bêtise. Et s'il faut, c'est pas génial par rapport à ce qui peut exister. Je sais pas. On verra bien de toute façon. Je passe après. Ah cool! Si elle peut m'augmenter mes dégâts ou ma vitesse d'attaque, ça m'arrange. Par contre, j'ai des boucliers qui pop tout le temps. On s'en plaint pas, on s'en plaint pas. Par contre, t'as combien d'ennemis? Pauvre.
Ok. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu m'augmentes? Le taux de critique, bon... C'était pas le mieux avec ce personnage. Oh, le paladin noir. Donne-moi des os. Allez, c'est parti pour les deux. Les deux, on verra ce que ça donne. Ça fait un peu peur. Hein. J'avais pas vu que j'avais un petit oiseau sur la tête. Allez, on est parti. On va essayer de s'en sortir. Comme il faut. Sans prendre trop de dégâts. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il me manquait une quintessence aussi. Ah. Bon, ça va, je l'ai mis Nivie en deux compétences. Bloc, bloc. Un. Ouais, ça serait bien que je tape l'autre par contre. Mais c'est la même! Yes, trop bien. C'est... Ça aussi, que ça soit au hasard, bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va dire ça comme ça. Bon, si je peux le faire retomber avec fracas. Bon, par contre, si on s'amuse tous les deux à faire ça, ça risque d'être long, madame. Hein. Non. Mais bon, mais là... Hein. On sait tous comment ça finit, cette attaque. Hein. C'est très très rare que je l'esquive. Arrête de m'embêter! Ah mais... Bah, j'étais pas trop dedans, quand même. Ah non, non, non! Ok. Nice. Non. Non. Vas-y, prends mon arbre. Prends super arbre! Et non! Et non! Ouf. Et bim! Super arbre. Oh punaise. C'est comme lui au final, on l'a pas... J'ai rien dit, c'est la chimère. C'est la chimère qui l'a tué. Mais voilà, mais là, je fais quoi là? Que fais-je dans mon stuff? Que fais-je? Que fais-je? J'ai pas assez d'os. Ah bien, voici. Ok, d'accord. Super. Zblanc. Ah mais il y avait de la vie là. Non, non, les fioles de... Maintenant, je les entends tirer là. Oh. Tiens, prends mon arme. Ploc. Je lui mets un ploc. 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 Oh, l'archer. Je vais peut-être le prendre. Sa vitesse d'attaque, elle est un peu négative aussi, quand même. Ploc, 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 ploc. 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 Alors, ça brûle, ploc, 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 ploc. Ploc. Et non. Bloc.
Locke. Bon, j'arrête. Et non, raté. La gargouille moisie, non merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Le samouraï, qu'est-ce que c'est que ça? Armure de mithril. Lors de dégâts infligés avec une attaque de sprint, augmente l'attaque physique. Pourquoi c'est en bleu? De 4% pendant 2 secondes. Bof, mais ça, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que le samouraï? Eh bien, écoute, heureusement, j'ai pris ça à côté. Je suis le Samusa. Aya, aya, aya. Aye, waya. C'est un unique, on peut l'augmenter. Ce crâne possède la compétence frappe unique. Elle laisse une marque sur les ennemis attaqués. Et en attaque, j'ai quoi? Charge, entaille les ennemis sur son chemin et rengaine son arme qui inflige des dégâts physiques. Toutes les marques disparaissent lorsque l'arme est rengainée et les dégâts infligés augmentent en fonction du nombre des marques, c'est très bien. Bloque la prochaine attaque ennemie et effectue une charge de taille qui inflige des dégâts physiques. L'ennemi visé reçoit le maximum de marques. Oh! Ah oui, c'est... Aïe! On va peut-être prendre ça. Il est très bien. Ouais, ouais, non, il est bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, super arbre est bien, mais alors là, on va voir. On va le tester, mais c'est nouveau, donc... Check, 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 check. Ouais, c'est plus tu tapes fort. Donc c'est très très bien sur les boss, mais je sais pas si les... Si les marques fonctionnent sur les boss, cela dit. Wow, wow, wow. Aïe! Ouais. Ouais. Je sais pas. Tic, tic, tic. Super. Deux fois dedans. Genre mazout ne pas se jeter dedans. Pareil, quoi. Allez, meurs, meurs! Je suis un arbre. Arrêtez de rire. Plof, plof. Ben l'arbre a l'air meilleur que le samouraï, ça, avec le stuff que j'ai là. Ou alors c'est juste l'arbre qui tape plus fort. Je veux traverser, moi. Plof. Ouais, c'est pas mal, hein, l'arbre, là. Allez, bloc, bloc, bloc. Pardon. Eh bien, des os. J'aimerais bien passer niveau 4 assez rapidement. Ah, il a pété à côté d'un esprit. Plof. Tu arrêtes de m'embêter. Oh, la vitesse d'attaque. Super point, go. Très fort, super point. Super point, paf, paf. La momie. Oh non, sans déconner, il m'en manque 3 des os, oh là là. Je suis très la déception. Allez, plof, plof, plof. Allez, plof. Qu'est-ce qui se passe? Je vole de partout, là. On va essayer ça. Oh là. Ah, je l'ai paré, hein. Ouf. D'accord. Mais tu vas te pousser, je veux la vie, moi.
moi. Et maintenant toi. J'ai pas l'impression de faire des dégâts sur la ligne. C'est le retour de Becky. Au revoir Becky. Bon, le samouraï n'est pas fou. Voilà, mais je vais prendre ça. Pour passer niveau 4. Avec Super Arbre. L'ami des arbres. Le pote de Super Gland, évidemment. Ah, gardien de la nature. Paf, pif, pouf. Mais il est où mon super point? Ah, par contre, attends, je gagne des trucs. La jauge se charge en fonction des dégâts infligés aux ennemis. Lorsqu'elle est pleine, une pousse d'arbre est plantée. L'utilisation des compétences transforme les pousses en intes. Les intes attaquent les ennemis proches pendant 10 secondes en leur infligeant des dégâts physiques. Intes, c'est comme l'imp. Voyons voir. Qui a fait ces boules vertes, là? Ok. Donc là, j'ai une pousse. Ah, mais oui, je vois... Je l'ai vu, la petite pousse derrière moi. D'accord, ok. Ouais, il est super chouette, méga arbre, là. Go, méga arbre. Oh non. Ah, j'avais pas vu, ma faute. Je me souvenais pas de la map. Oh, j'ai réussi. Ça, c'est cool. Pourquoi ma vie, elle pleure? Toi, là, t'es d'un pénible. Non, il va tomber, je vais me refaire avoir. Oh, merci. Non, voilà, merci. Ne tombe pas. Tu en es bien gré. J'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Oh, de la vie. C'est quand même... Ah, si je peux m'acheter une vraie quintessence et un peu de stuff, je vais pas dire non. Hein. Mince, je fais n'importe quoi. Et c'est long, voilà. J'ai fait n'importe quoi, j'ai dit oui à la madame. Allez, cassez-vous. Ok. Ben, super arbre est pas mauvais, mais par contre, je vois pas beaucoup de mes pouces. Oh non. Bonsoir. Je me suis refait avoir. Ouh là là, mais c'est quoi les dégâts que je viens de prendre là? Oh oh! C'est pénible! Arrêtez-vous! Et les pouces, elles restent combien de temps? Elles restent sur place. Oh non, c'est pour ça. C'est pas ouf. Oh non. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La roue de l'offensive. Après avoir lancé 5 compétences lors d'un échange, invoque une roue de charrette. 5 compétences lors d'un échange? Spectre? Pour vous placer derrière l'ennemi le plus proche. Non, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais j'en veux pas, quoi. Ça, c'est pour chaque esprit possédé, mais je fais pas de magie, c'est quand même dommage. Flûte. C'est tout ce que j'ai à dire, flûte. Si je reste là, on est bien. Pourquoi s'embêter? Ah là là, ah là là. Da la da da da.
faut faire les dégâts, il faut faire les dégâts, il faut faire les dégâts. Il faut pas en prendre, il ne faut pas en prendre, il faut juste faire les dégâts. Vas-y, petit teint, ça fait du dégâts. Je te montre. Là, là-bas, vas-y. Oui, bravo. Bravo. Fais-les mourir. J'ai pas l'impression que l'aine, ça soit vraiment la capacité de l'année, par contre. Hein. Ça peut être rigolo une fois, mais bon. Malheureusement, pas génial. Non, merci. Oh non, mais j'ai fait du n'importe quoi. J'avais pas vu là. Oh là là, oh là là. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Salut la pousse. Oh punaise. Ça m'étonnerait que la chimère, je lui fasse des dégâts. Avec ce stuff là. Oh, ça faisait longtemps ça. C'est quoi? Au revoir. Bye, désolé pour ton père ou ton grand-père. Ah, c'est non. C'est un gros nom. Allez, c'est parti. On va peut-être se faire éclater les dents. Mais bon, apparemment, ça vous fait tous rire de me voir dans cet état-là. Donc, c'est parti. Ce n'est pas très rigolo. Voilà. Aïe. Bon, mon but, là, ça va être de gagner, malheureusement, beaucoup de pouces pour faire des ents et que les ents fracassent la chimère. Est-ce qu'on est bien parti pour? Non. Non. Ah, j'ai une pousse. Go. Vas-y, madame, la pousse. C'est parti. Casse-tu les dents. Je m'occupe les petits, parce que les petits me cassent les bonbons. Je lui ai rien enlevé, j'ai pas de quintessence. Ah là 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 là. Où sont mes corbeaux? Mes amis les corbeaux. Le problème, c'est que là, j'arrive à la moitié. Elle va faire son truc insupportable avec le sol qui tombe, là. Le sol, n'importe quoi. Le plafond, voilà, avec le poison. Puis après, ça se baisse, et je sais plus, voilà. À part prendre des dégâts, je ne sais plus si c'est de moi. Hop, on bouge pas. Voilà, vive le vomi. Aïe. Ah, wow, 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 j'ai pris une douche. Une douche d'acide. C'est le combat le plus long que j'ai peut-être jamais fait sur la chimère, parce que l'arbre, il est très cool, il est rigolo, mais alors, mon dieu, qu'est-ce qu'il est pas bon en dégâts. Aïe, aïe. Allez, bim, boum, et l'arbre. Ouf. Oh là là, j'ai fait vraiment de la... Ouais, de la nullité. La cure nullité. Aïe, 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 aïe. J'ai pas... Oh ! J'ai évité le rez. On l'a vu que c'est lui qui lui a donné le dernier coup. Vas-y, vas-y, marable. Vas-y. Mais où tu vas ? Noyau contaminé. En entrant sur une carte, augmente les dégâts infligés de 7% et l'attaque physique de 20% toutes les 15 secondes. Oh ! C'est plus je suis long sur une carte et mieux c'est ? Mais depuis quand ça existe cet objet ? Depuis quand ? Je le veux depuis... Bon, il me faut de la vie maintenant. Il me faut de la vie et je pense qu'avec l'arbre, malheureusement, je ne vais pas pouvoir toucher le... Le prêtre, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, là? J'ai même l'impression d'avoir perdu de ma tankiness, c'est dommage. Oui, je me sens pas forcément en sécurité contre
les suppôts de Satan. Je ne sais pas ce qui se passe, la 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 la. Bim boum, bim boum, bim boum, bim... Mais oh, pardon. Oui, oui, montre-moi ce que tu me proposes. La cape du lâche. C'est nul. Oh, mais il y a des ennemis. Hein. Oh, mais c'est... Je fais fouetter le... l'arrière-train. Oh là là. Ouais ouais, là là je vais ressusciter là. Voilà, c'est fait. Super. Incroyable. Mais je peux plus rien faire en fait, c'est le problème. C'est mon personnage est bloqué. S'il peut pas faire des dégâts contre eux, il peut même pas tanker, il... Là, j'ai un gros problème. C'est que je tanque même plus. Et je fais plus de dégâts. Donc, je suis censé faire comment pour réussir ce niveau? Je vous laisse à votre rédaction. Vous avez... 1 heure grand max. À la fin, je relève les copies et je note. Et ça comptera pour... pour le contrôle continu. Dieu sait qu'il y en a qui feraient bien de se réveiller vu que c'est la fin de l'année, n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Peut-être un PTSD, je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Oh non, pas les portes! Non, 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 non! Mais j'ai même pas passé le... Je suis en train de penser au boss, alors que je devrais déjà penser, et oui, vous l'avez deviné, au mi-boss, là, qui risque de me ruiner, parce que j'ai une vitesse d'attaque négative, et bon, j'ai des dégâts, certes, mais c'est pas génial, quoi. Ouais, non, c'est pas... pas la joie là, vraiment. Oh, mais c'est pas possible ce truc. Après, je viens de remarquer quelque chose. Est-ce que... ne me parle pas de contre-pétition. Pardon. Je viens de réfléchir à quelque chose. Oui, c'est vrai, j'arrive à réfléchir. Le boss de fin, le fait d'avoir pris des coups dans les dents, est-ce que ça m'a... l'espèce de passif qu'il y a dans ce niveau, c'est-à-dire le fait que les dégâts sont augmentés, que je ramasse dans les dents. C'est une bonne question, pas vrai? Bah là aussi, vous avez 1 heure, ça comptera pour reconstruire. Ah mais je prends trop de dégâts, c'est insupportable. Et regardez, j'ai toujours pas de quintessence. Ah, un joli burger de la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? La méchanceté intérieure. Mais c'est moi, ça! Mais c'est complètement moi! Je suis la méchanceté. Le cyclope. Ah! Ça donne un bouclier, il est pas mal. Enfin un objet. Le taureau crétois. Nul! Nul! Nul. 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 Mieux. Nul. Oh, Banza. Et à la place de quoi? C'est le problème. Ouais, on va enlever ça. De toute façon, je risque de me faire défoncer. Allez, on essaie de croire au mid-boss.
Mais c'est pas encore un mid-boss. Plof, plof. Oh là, il est parti loin. Ça va, monsieur? Au revoir. Non, mais... Allez, augmente les dégâts subis. Quoi? J'ai l'impression que c'était nouveau, ça, ce qu'il faisait. Mais, il y en a combien, là? Allez, tombe, voilà, au revoir. Vas-y, vas-y, pousse-le. Oh, super, c'est maintenant que je l'ai, ça. Tu vas me dire, mieux vaut tard que jamais. Et là, par exemple, en récompense de fin de map, pourquoi ils veulent pas me mettre de la vie? 100, déconner, j'attends que ça. Ou le choix d'en acheter plus souvent. Parce que là, c'est pas ça, quoi. Oups, je suis trompé de perso, là. Ça m'étonnerait que lui fasse des dégâts. On va voir. Si je croise un ennemi. Yes! J'ai plus de vie. Bah en fait, je vais même pas atteindre le mini-boss. Vous verrez. Je vais pas l'atteindre. Je vais pas l'atteindre et je vais pas y arriver. Voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Augmente de 50% les dégâts critiques. J'ai jamais eu celui-là, si. Ça ne me dit rien. Non. Peu importe le mini-jeu que c'est non. Je m'en vais. Yes, trop bien le Minotaur. Allez, c'est parti pour le mid-boss. On va mourir. Voilà, c'était trop bien. Oh, en plus c'est elle. Je redoutais que ce soit elle, vraiment. Je me suis dit, avec l'arbre, je vais pas y arriver. Vraiment. Ah, j'ai peur que malheureusement, je n'y arrive pas là. Elle a trop de vitesse d'attaque, elle va m'éclater petit à petit. C'est peu importe ce que je lui fasse, je pense que je vais jamais y arriver. Ah, elle est trop forte. Elle est vraiment trop forte. C'est juste pas possible. Pas avec ce perso, pas avec le stuff que j'ai. J'en fais une dernière et après j'arrête parce que j'avance à rien et que ça commence vraiment à m'énerver, quoi. Combien il en veut, lui? 5000. Juste pour restaurer le château. Mais est-ce que ça va m'être utile? C'est ça la grande question. Est-ce que ça va m'être utile? C'est nul ça, on est d'accord. Pourquoi j'ai pris ça? Oh super, la racine. Vitesse de déplacement après le sprint. Aïe 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 aïe. Mais je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je n'arriverai pas à finir ce jeu. Promis. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette nullité? Allez. On fait le bon vieux squelette. Hein. Oh mais qu'est-ce que c'est que cette nullité du machin là, bouclier là.
Aïe 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 aïe. Mais je vais pas le finir ce jeu. J'y arriverai pas. Même en essayant, je sais même pas si je suis capable de le faire. Ah, le singe, il était pas mal, mais... Si je peux le changer, je le ferai. Ah, mais il tape en vitesse. Non, non, je vais le mettre. Je vais le jouer au moins jusqu'à trouver mieux. Il est pas mauvais, vraiment, c'est juste que... J'essaie aussi de viser, entre guillemets, les succès, mais là, non, je vais essayer de vraiment gagner. J'en ai un peu marre. Ouais, c'est... C'est les stuff qui sortent pas, les... Il y a que tout à l'heure, le stuff est sorti, le perso était là, et... Et patatras, quoi. Le problème, c'était comme la dernière fois, les boules qui popaient... à la bordure de l'écran, quoi. C'est qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse? Ben rien, parce qu'on pouvait rien faire. Donc que je connaisse le combat ou pas, je sais pas si ça peut aider. On va voir, mais j'y crois pas. Non, ah si, ça augmente l'attaque physique, allez. Vu que j'ai ça pour l'instant. Ouais, allez, on l'améliore. Tant pis, si on fait une run singe, je m'en fous, il est pas mauvais. Ça m'a un peu gonflé, encore une fois. Les stuff qui sortent jamais, les pools d'objets qui sont à suer... Le fait que je puisse même pas améliorer le marché, ne serait-ce que ça, quoi. Pour avoir des trucs en plus. Alors, ok, je demande pas à juste claquer des doigts et à finir le jeu, je demande pas ça. C'est juste que je trouve que... Niveau progression de personnage, ben, j'ai vu mieux. J'ai vu pire aussi, mais j'ai vu mieux. Bizarrement, bah, pire, bah, c'est des jeux auxquels tu ne joues plus. C'est un peu le problème. Ah, allez. Un boost. Un boost de caractéristiques, laquelle? Allez, file-moi de la magie que je rigole un petit coup. Non, la vitesse d'attaque, c'est bien. La vitesse d'attaque, c'est bien quand... Oh. C'était bien ça, je m'en souviens pas. Ah, je crois que je l'avais essayé une fois et c'était pas ouf. Si. Ou alors c'est moi qui l'avais joué n'importe comment. C'est peut-être ça aussi, hein. Ah, je m'en souviens plus du champion. On va voir. Oh, c'est un boxeur. Ouf. Le gameplay est très particulier. Il est très très statique. Alors, pourquoi pas. Mais... Je sais qu'être statique, c'est pas trop mon truc. Mais pour l'instant, on va le garder parce que encore une fois, il tape plus fort que mon singe, c'est sûr. Hein. On va voir si j'arrive à en faire quelque chose. Je pars pas défaitiste, mais c'est un peu compliqué de pas partir défaitiste quand tu vois ce qui t'attend en fait. Il y a des trucs, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est comme ça. Mais ça fait suer. Plof. Mince, j'ai pas vu le point tomber. Il
bim 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 bim. Ouf. Un petit falcon pain là. Et déjà. Ah, c'est tellement bien la gratitude de Len, c'est tellement dommage que ça soit si. Si vite oubliable. C'est quelque chose que tu peux te. Que tu peux virer assez vite, c'est le problème. Aïe. Bah je l'ai déjà plus en fait. 40 points de bouclier qui sont partis en fumée très vite. Bon, soit. Mais c'est une vitesse, c'est un quoi? Ah oui, c'est une vitesse. C'est vrai que... Donc ils ont ça, ils les brisent. Aïe 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 aïe. Plonk. Mais c'est une le coup de poing nucléaire, importe un crochet puissant, les ennemis qui percutent les murs subissent des. Ah. Ah oh mince. Reste des gens. Le motard est rigolo. Le motard, je crois que je l'ai pas monté au niveau max. Donc en attendant, on va regarder ça. C'est la méchanceté intérieure. La quintessence instable, non. Par contre, ça oui. Surtout en plus, si. Moi, là, ta physique pour chaque compétence en rechargement, non. Non. Oui, j'ai compris ça. Ah ah! Ah ah! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, pas mal. Bon, je l'ai vu, mais je l'ai, j'ai rien fait. Bon. C'est pas grave. Ok. Ouais, le shuriken peut peut-être m'aider là. Le shuriken va peut-être m'aider, ouais. Il y avait un autre objet, le truc d'ondine que j'aurais bien voulu, mais. Je sais pas si en fait les esprits c'est vachement bien ou pas, j'arrive pas à me. Vu que j'en ai toujours que un ou deux, c'est vrai que ben, j'ai jamais le compte des esprits ou je sais pas quoi. Et... Si, il y avait une game, je crois qu'avec Elthusad j'avais 3-4 esprits, et... mais. Mais c'est super dur de les avoir. Après, est-ce que le bonus est ultra méga conséquent? Ça, c'est autre chose. Hein. Je sais pas. Mini-boss. Bon, si on peut fracasser l'archer en premier, ça m'arrange. J'ai l'impression qu'elle fait absolument rien d'autre dessus. Non, elle fait absolument rien. En même temps, je peux pas trop l'atteindre. Oh, merci de t'être baissé. Oh là là. Bon, ok, le champion peut être jouable. Évidemment, si le stuff peut suivre derrière, encore une fois. Est-ce qu'il passe niveau 30? Ouais, allez. On va essayer de prendre des os si on peut pour lui. C'est quoi sa capacité? Ok, les chaînes on n'en a jamais eu et tut tut. Mamamamamam. Ah mais même lui il est fort, hein, c'est. Ouais, il est pas mauvais, mais c'est...
Et une quintessence un jour, serait bien. C'est vrai. Hein, je... Eh ben... Oh, il n'y avait plus rien. Je suis con. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est l'archiliche! On va la prendre en cas, parce qu'elle est très bien, l'archiliche. Ah, regardez-la. Par contre, j'ai rien pour le magique. Ah, mais c'est l'archiliche. Attends, mais elle est pas en... Attends. Ah si, elle est en légendaire. Je suis merde. Pardon. Bon, j'ai plus besoin d'os. C'est l'archiliche. Le retour. Elle fait toujours aussi mal ou... Ouais, bon, d'accord. Elle est vraiment très très forte. Là, par contre, si je fais un bon stuff magique, je la garde. Je la garde, mon archiliche. Et je dis crotte à tout le reste. Ah, elle est vraiment forte. Bon, on va essayer de stuff une archiliche. Ah bah, ça commence bien. Non, celui-là. Attends, oui. Bon, ça, j'étais pas sûr, en fait. Bon, pour l'instant, c'est pas grave, on va regarder. Hein. Pour l'instant, le champion peut faire le taf. Et puis bien même. Et bam! Aïe, 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 aïe. C'est le fait que comme il est de la vitesse d'attaque, ça va très bien avec mon poignet qui envoie des shurikens. C'est pour ça que pour l'instant, je vais le jouer lui. Et que surtout, les deux filles avec lui, je vais peut-être pouvoir en faire des les sashimi! Les fameux sashimi! Ah oui, non mais... Et j'ai le truc qui dit que si je fais une auto-attaque, ça prend des dégâts monstrueux dans les dents. Ah non mais c'est plutôt fort. J'hésite à garder le champion qui pour l'instant peut vraiment faire son taf. Hein, quand même. Ouais, je sais pas. Ah bam! Bim bam 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 boum. Bim bam boum bam boum bam boum. Bim bam 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 bam. Faut que je check ma vie moi aussi. Hein. Je fais des conneries et après je regarde pas. Et après je me plains surtout. Aïe 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 aïe. Ouf. C'est le bruit de... Écoute-moi. Et c'est les deux... Les deux casse-noisettes, oui. Ça sent à elle. J'ai toujours pas de quintessence. Ça me fatigue. Donnez-moi mes corbeaux. SVP, les corbeaux. Les corbeaux. Voilà, est-ce que ça va? Bam. Je pense que je suis tranquille là. Ah, vas-y, refais-la. Voilà. Laisse-moi t'éclater maintenant. Et bam! Et bam! Et bam! Attends, si t'en veux, tiens! Bam bam padadam bam bam padadam bam 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 bam. Bam bam badabam bam bam. Oh non, tu me forces à sauter, vilaine.
J'ai rien de reconfond. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, vas-y, vas-y. Moi aussi, j'ai des attaques fortes. Bon, ok. Par contre, je les ai un petit peu atomisées. Est-ce que c'est grave? Non. 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 Non, c'est bon. Tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, cool. Faut que je pense à l'utiliser souvent et j'aurai des boucliers. Et ouais. Le mec insupportable, sans déconner. Mais ouais, ouais. Oui, bon bah ciao toi, parce que ma pof, tu me sers pas. On vise l'or. Bah même, bah même, bah même. Tiens. Aussi ton vu, non, tiens. Tout le monde aura droit à sa patate, promis. La patate, la patate. Toi aussi tu veux une patate. Tiens, tiens, prends la patate. Toi aussi la patate. Tiens, la patate. Super énervé. Stream pas du tout sponsorisé par l'Agata ou la grenaille. Évidemment, toutes les deux des variétés de patates. Mais bam, bam, bam. J'en ai rien à faire, je vous détruis tous. Un coup de poing dans la gueule. Pas du tout énervé. T'en suis là, tiens. On sait très bien que je vais jamais arriver au bout avec, on le sait, mais bon, je m'amuse au moins. Je m'amuse un peu plus que tout à l'heure. Pourquoi j'ai pris ça? C'est... Oh! Augmente la vitesse d'attaque de 40%. Oh non. Ça faisait très longtemps, ça, par contre. Oui. J'ai une question à vous poser, c'est... Déjà, est-ce que vous l'entendez? Si vous ne l'entendez pas, tant mieux. Et ne me demandez pas ce que c'est. Voilà. Aïe, aïe. Si quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, dans le chat, si vous l'entendez ou pas, c'est tout. Si vous l'entendez pas, tant mieux. Je continue. Bah, 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 bah. Oh mince. Bon, ben voilà, pour ceux qui ne savent pas, ben, j'ai un chauffage avec des très très vieilles canalisations, ce qui fait que quand l'eau chaude traverse, ben, on entend ces jolis claques de dilatement de tuyaux. Désolé, je ne peux rien y faire, j'ai pas envie de mourir de froid. Après, ce que je peux faire... Ouais, non, tant pis, c'est ma dernière... De toute façon, c'est ma dernière game. Parce que vu au niveau où j'en suis, je pense que je peux atteindre le troisième... pardon, la prochaine zone. Donc tant pis, je vais pas le faire aujourd'hui. Demain je le ferai. Demain je mettrai un gros pull et je mettrai pas le chauffage pendant le stream pour éviter ce genre de bruit. Voilà. Et tant pis. Oui, non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'instant, si le stuff continue de suivre, on peut peut-être faire quelque chose de ce personnage. Si le stuff suit. Pour l'instant, j'arrive à en faire quelque chose, du moins. On verra ce que ça donne, mais... Allez, par contre, elle, on va la fracasser. Allez, bim, bam. C'est très drôle, hein, cela dit. Allez, bam, 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 bam. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est très très cool. J'ai pas perdu trop de vie en plus, donc je suis très content. Oh non, pas lui. C'est bon. Dans tous les cas, tout est nul.
Ça m'embête, mais bon, c'est pas grave, allez go. Oh là 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 là. Je deviens Star Platinum. Dadadadadadam. C'est très très cool, hein. Dad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 
Oh mon pauvre. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Qu'est-ce que tu veux, toi? Là 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 là. Le violet. Ok. Le violet, c'est le pire, hein. Celui qui fait des... On le sait, on a joué l'alchimiste. La plus haute évolution, elle fait mal. D'ailleurs, l'alchimiste est un très bon personnage aussi. J'aimerais bien le rejouer. Alors, elle, par contre, je sais pas ce qu'elle va prendre. Je sais pas si elle va prendre très très cher ou si moi, je vais prendre très très cher. Après, vu ce que j'ai mis au nana, je sais pas. C'est vrai que là, je sais pas du tout ce que je vais faire sur la chimère. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas... Je sais pas. Ouais, si, ça... Je sais pas si c'est ce que je fais, bon. Ah! Bah pour l'instant ça a l'air d'aller, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il est ce poison à la con? Ouf. Ah, il m'embête là. Allez, allez! Ouais, non, ça va. C'était. J'ai pris quand même un mi-vie. Et heureusement, j'ai utilisé mon bouclier. Qu'est-ce que c'est que ça? Le spectre, les pas du spectre. Utilisez la quinquintessence pour vous placer derrière. Ah, non! Bah, après, j'aime bien avoir le bouclier sur moi, cela dit, mais. Salut madame! Allez, on est reparti pour la dernière zone. On va râler. Ouais! Ouais, trop bien! Allez, go! On est parti! On est parti pour se faire casser les dents! Après, je sais pas si je vais me faire casser les dents ou pas. Non, il y a une porte! Il y a une porte! Ouvrez-moi la porte! Ah! On dirait que c'est ouvert. Mami, ma madame, mon mot, voyez mon mot, mon mot. Scape de l'homme! Ça serait très drôle. J'ai oublié mon bouclier. C'est l'heure du goûter! Aïe, aïe, mais eux, ils. Je l'ai vu s'autodétruire sur moi et je lui dis oui, vas-y refais-le. Allez, on y croit. Ça c'est non. Voilà. On y croit. Un bon item, un truc qui augmente. Oh. Elle c'est les. Non, c'est les compétences. Non, mes compétences pour une fois j'en suis vraiment content. Vous êtes insupportable. Tu ne joueras pas. Je te libère, mais je vais pas le faire. Tes compétences changent. Non, je ne veux pas. Je te libère si tu veux, mais... Oh! Ah, dommage. C'est non. De la vie. Ah bah le retour, de toute façon. Si j'en voulais pas, il me le redonne. Ça peut être bien. Qu'est-ce que j'ai?
qu'est-ce que je peux virer? La bombe. La bombe pour avoir un peu plus de vie. Certes, je perds 25% d'attaque physique, mais c'est pas très très grave. Parce que vu les cartouches que je leur mets en ce moment, ça devrait le faire. Dragon de feu. Non. Le bouclier me va très bien pour le moment. Au moins, j'ai la certitude d'avoir un truc. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la giga merde. Je me suis trompé. J'ai fait de la merde. Heureusement, le personnage est bon. Mais même sans truc magique, regardez les dégâts qu'il met. Ah, la liche, elle est super énervée. C'est incroyable, l'archiliche. T'es où? Mais je me suis encore trompé, mais non, c'est pas grave. Elle est incroyablement forte, hein. C'est... Je comprends pas. Tant mieux, enfin, je vais pas m'en plaindre, mais... Aïe, aïe, aïe. Oh! Ah non, c'est des os, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais là, j'en ai pas besoin. Il faut que je lise ma compétence parce que le crochet, les ennemis qui percutent les murs, bah ouais, mais j'ai pas, pas l'impression qu'ils vont très très loin quand je les cogne. C'est pas très grave. Mais... Un shield. Non, la météorite, sans déconner. Oh là là. Ah, par contre, faut se dépêcher de les... Il me faut me trouver une... Une... Comment ça s'appelle? Ah, oh, salopard. Une fontaine est très très vite, hein, parce que je suis à 60% des dégâts reçus, c'est pas génial. Mais ça va... Allez, 70%. J'ai raise ou pas? Non, hein. Oh! La gratuité du météore. Du météore, oui. Le fameux météore. Oh là. Encore des os? Je m'en fous un peu, mais... Tu ne me tueras jamais! Salut. Bah vas-y. Donne-moi tes os là, sinon tu vas rester tout le temps. J'aurais bien voulu par contre Elfline là ou je sais plus quoi. J'ai oublié son nom. Ah ya. Ah et oh aïe. Ben 80%. Où est la fontaine? Où est la fontaine? J'espère qu'elle est là, la fontaine. Yes. Bon, c'est qui? Oh putain, c'est pas possible. Bon. Oh là là, mais ce qu'elle me met. J'ai ressuscité. Oh non. Mais elle me fait suer. Mais elle me fait suer d'une force, elle. Oh non, mais c'est pas possible.
Mais je fais comment ça pour l'esquiver, bordel ? Elle va me tuer. Elle va me retuer. Qu'est-ce qu'elle me gonfle ? Elle est trop forte. Autant je disais que le ninja était fort, mais alors elle, mais sans déconner quoi. Et pourtant j'ai un personnage qui est censé, mais enfin, frapper très fort et au final, punaise, elle m'a vraiment posé de, m'a vraiment posé problème. Hein. Mais il y en a là. Allez, vas-y. Prenez les gars. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Mais on peut se dire que si je... Ok. Que si je perds, eh bien, je pourrai acheter la dernière amélioration de ce cul. Et que voilà, ben, ça sera ça. Oh, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Oh non, c'est les orbes de protection, j'avais oublié. Non, non, non. A marché. Si. Oh non mais ouais bon là c'est bon. Là là je. De lancier ça va pas être possible. Plus un qui essaye de me cartoucher depuis tout à l'heure. C'est non. Voilà. Ah c'est dommage. Rétrospectivement parlant. Je pense que j'aurais dû laisser essayer de faire un truc avec Althusaad. J'ai même pas un succès pour avoir tout fait. Non, mais elle se fout de la tronche du monde, elle. Hein. J'ai gnignigné, oui, super. Mais sans déconner. Hein. Mais j'essaye d'aller voir le monde. Mais en plus, tu me fais pas un succès parce que j'ai vu les télécourseurs de la vie de merde. C'est pas possible. Et toi, tu m'en demandes 5000. Non, mais c'est pas possible, toi aussi, vous êtes tous des enfants. Bon. Voilà. Bon, ça m'embête. Il n'y a pas eu de grosse évolution. Certes, on a passé une phase du prêtre. Ouh. Ouh, bravo. On va malheureusement s'arrêter là, parce que je vais pas en relancer une, ça ferait trop tard. Bon. Avec tout ça, on commence quand même à savoir bah, les crânes que j'aime jouer ou pas. Le champion, il est bon. Enfin, c'est pas le problème, il est bon. Je pense qu'il manquait de l'objet rouge, la grosse épée rouge que j'avais eue avec je sais plus qui. J'ai fait une run avec qui ? J'ai oublié. Bref. Je pense qu'avec un bon item dégâts, il peut faire le café. Mais même sans objet magique, Althusaad, par contre, est très très fort. Donc si on le retrouve, on le joue et on gagne. Le champion, ben, ça peut être bien pour les premiers niveaux, je pense. Je pense que c'est vraiment un crâne pour les premiers niveaux. Et pour les autres niveaux, bon, bah, il faut changer. Ce soir, vous pouvez retrouver Jake sur... mince, pardon, j'ai oublié le nom du jeu. Ah, je l'avais tout à l'heure. C'est, What Comes After. Ben, traduit par, Qu'est-ce qui vient après.
Ben, ce qui vient après, ça va être Jake sur ce qui vient après. Ça va être Jake qui sera sur ce qui vient après. Eh bien, ce sera... Bon, vous avez compris la blague. C'est un petit jeu indé. J'ai pas du tout regardé ce que c'est. Donc, si vous voulez le découvrir avec lui, et puis moi aussi, je pense que je vais le découvrir ce soir, eh bien, suivez-nous ce soir, 21h, What Comes After. Et moi, je reviendrai demain, à partir de 14h. Je ferai pas 2h50. Peut-être que je ferai juste que 2h. Je pense que ça sera peut-être le moment où je fais quelque chose d'utile sur le jeu et que j'arrive à faire quelque chose. Mais bon, on avance petit à petit, on file les quartz noirs. Donc sur ce, moi je vous dis à demain, à ce soir avec Jake, et puis n'oubliez pas Discord, et puis le bisou, le béco, le cordialement, et le bisou, et le cordialement bisou.